Bonjour, ici nous sommes chez la première de la commune de Matoto qui va se présenter à vous. Bonjour, présentez-vous aux téléspectateurs de Guinée Matin. Je me nomme Bintou Diaby, je viens de l'école Molassi Franco de Saoléa. Mademoiselle Bintou, aujourd'hui vous êtes la première de la commune de Matoto et sur 26 265 candidats, vous êtes placé en tête de liste avec la première position. Quels sont les sentiments qui t'animent aujourd'hui? Je suis très contente d'être la première de la commune et très fière de moi car j'ai aménagé des efforts pour mériter cette place. D'accord. Et aujourd'hui, tu es la première. Dis-nous comment tu as fait pour aboutir à cette réussite, ton petit secret. Livre-nous cela. C'est grâce à mes révisions, à l'aide de mes enseignants et de mon répétiteur que je remercie beaucoup. D'accord. Et aujourd'hui, tu t'attendais à cette réussite, à ce rang, je vais dire. Oui. Et quel est le mot que tu as à dire à l'endroit de ces élèves qui n'ont pas eu l'examen d'entrée en 7e année? Je leur dis bon courage et aussi de redoubler d'efforts pour mériter aussi leur place. Et qu'est-ce que tu as dit à l'endroit de tes encadreurs? Je les remercie beaucoup. Merci, mademoiselle Bintou Diaby, et toutes nos félicitations. Madame, veuillez vous présenter à Guinée Matin, s'il vous plaît. Ok, c'est Dr. Keta Mariam. Je suis pharmacienne de profession. Je réside à Dubreuil. D'accord. Je suis très contente, très émue. Je manque même de mots pour féliciter ma fille. Voilà, c'est une petite qui est très courageuse. Durant toute l'année, elle a bossé avec les encadreurs. Je remercie beaucoup l'effort de Molassi qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de la petite ville du Diaby. Je remercie beaucoup le directeur, M. Diallo, qui n'a jamais cessé de la réconforter. Et merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous remercie. Merci.